C'est une question importante, le rôle effectivement des minorités, parce que il ne faut pas non plus faire un racisme, inconscient, et croire que ceux qui sont la minorité sont parfaits. Dunque è una questione molto importante, perché non bisogna pensare appunto che, o accettare che le minoranze, proprio perché minoranze, creino a loro volta una forma di razzismo. Ils sont pas parfaits. Et non sono perfette. Ils sont comme tout le monde, ils sont capables aussi de racisme, de violence e d'ignoranza. Come tutti gli altri sono anche suscettibili di ignoranza, di violenza, insomma, non sono perfette. Donc ils ont une responsabilité dans la manière où ils peuvent aussi provoquer les autres. Quindi hanno anche una responsabilità nella misura in cui possono provocare l'ostilità. Alors, mais dans un premier temps, il faut peut-être il faudra leur apprendre quelles sont les lois et les conditions. Donc il faut leur apprendre dans quelle société ils vont vivre pour savoir si on va vivre ensemble ou pas. C'est une question aussi si quelqu'un vient, d'un pays très lointain où il a l'habitude, de frapper sa femme devant tout le monde, il dit attention, ici on ne frappe pas les femmes. Donc il faut lui apprendre. Parfois il faut faire un travail pédagogique pour lui dire attention. Vous allez dans un pays où il y a des droits, il y a des lois, et il faut qu'on leur apprendre tout cela. Une fois qu'ils apprennent quelles sont les lois du pays, il faut qu'ils les respectent. Donc, bisogna che queste minoranze sappiano dove vanno a inserirsi, in quale tipo di società e in quali leggi vanno a confrontarsi. Per esempio, se vanno in un paese dove non è consentito picchiare la propria moglie, e magari loro sono in una minoranza in cui ciò è accettato, devono tenerne conto e non instaurare il proprio principio.